Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu as les choses bien. Aujourd'hui, je te fais une vidéo d'une question qu'on m'envoie au moins 2-3 fois dans la semaine ou que je vois 2-3 fois dans la semaine à chaque fois, voire plus de fois dans les commentaires de mes vidéos. Parce que voilà, ma chaîne est mise en avant et je vous remercie énormément par rapport à ça. Du coup, chaque jour, il y a plein de personnes qui aura mes vidéos et qui commentent mes vidéos. Et dans les commentaires, il y a toujours la même question. Bon, généralement, on me dit, ouais, salut dame, j'espère que tu vas bien, merci pour tes vidéos et tout. Merci à vous, c'est super plaisir. Parce que si je fais tout ce que je fais et si je continue à faire, c'est parce que vous êtes plus nombreux, parce que vous donnez de la force, la motivation. Vous me motivez, je vous motive, on se motive tous ensemble et ça fait plaisir. Beaucoup de personnes se posent cette question-là. Ils ont envie de faire une prise de masse, d'accord? Mais ils ne savent pas s'ils doivent sécher ou maigrir d'abord ou faire une prise de masse directement. Ok, je sais pas pourquoi plein de personnes se posent cette question, mais je la reçois à chaque fois et je la vois à chaque fois sur mes vidéos. Et je vais t'y répondre. Pour moi, ça va être simple, rapide et efficace. T'as envie de faire une prise de masse? Fais une prise de masse, d'accord? Fais une prise de masse. Si t'as envie de faire ça, fais-la. Parce que le problème, c'est que aujourd'hui, notamment si t'es débutant, personne sait faire une vraie prise de masse. Une vraie prise de masse, c'est dur. D'accord? C'est dur. Une vraie prise de masse contrôlée et tout, c'est dur. Donc, ne te fais pas de mal. Va à la salle ou entraîne-toi à la maison. Mange, pars sur des prises de masse. Et aussi, pour répondre à cette question que je reçois souvent dans mes programmes, tous mes programmes, tous, sans exception, sont basé sur de la prise de masse ou sont construits sur un régime de prise de masse, d'accord? 4 fois, je dirais, une trentaine de repos, prise de masse. Ça veut dire que tu vas améliorer ton physique, tu veux mieux voir tes bras, ton dos, tes pecs. Mes programmes sont faits pour ça, clairement. Le problème avec le fait de faire une sèche, c'est que si tu veux faire une prise de masse, c'est que ton physique, tu ne dois pas l'aimer, d'accord? Ça, c'est comme moi, quand j'ai commencé la musculation, mon objectif numéro un, c'était d'être balèze parce que je me trouvais maigre, je me trouvais fin. J'avais un peu de ventre, j'avais un peu de bide, mais je me suis dit, je veux être balèze. Donc, si je veux être balèze, je fais une prise de masse pour être balèze. En aucun cas, je vais me dire, je vais maigrir d'abord et après, je fais une prise de masse. Parce que je pense que les gens qui veulent maigrir d'abord, c'est je vais avoir des abdos et après je fais une prise de masse. Mais les mecs, parce que ça c'est que les mecs qui m'envoient ces messages-là, il faut savoir que naturellement, abdos et prise de masse, c'est très très compliqué. Ça veut dire c'est soit génétiquement tu es un monstre, ou sinon tu es chargé. Clairement, il faut faire un choix. Moi, j'ai fait le choix d'être balèze, sans abdos ou les abdos, voilà, parfois ils sont là, parfois ils ne sont pas là, que d'être sec avec des abdos et de juste avoir des abdos. Ce qui fait que, quand tu es habillé, on voit pas que tu es balèze. Là, tu vois, là, je suis habillé, j'ai un débardeur, on voit que les bras sont là, parce que là, on est dedans, on est dans la prise de masse. Bon, même si que ça fait longtemps que je fais pas de sport et tout, mais on reste dans la prise de masse, on est bien. Moi, je voulais avoir un effet rempli sur moi, tout simplement. Donc, si toi aussi tu vas avoir un effet rempli, fais une prise de masse. Clairement, fais une prise de masse. Après, bien sûr, rien ne t'empêchera de faire une sèche, d'accord? Plein de personnes font prise de masse et ensuite sèche. Et ça, c'est le cycle du mec qui fait de la musculation toute l'année, tous les jours et tout. En général, là, on rentre en septembre, octobre, novembre, décembre. En général, là, on est en prise de masse. Dès qu'on arrive en février, mars, les vacances, le soleil arrive, là, on commence à faire une sèche. En général, c'est ça. Mis à part ceux qui font des compétitions. Eux, ils ont des plannings et tout, mais eux, c'est autre chose parce qu'ils prennent des produits. D'accord? Donc, il faut que tu suives ça. Clairement, tu veux prendre de la masse, fais une prise de masse. T'embête pas à faire une sèche. D'accord? Si tu as envie de faire une prise de masse, c'est qu'il faut faire une prise de masse tout simplement. J'ai aussi reçu la question de, ouais, dames, je suis en prise de masse pendant plus de 4-5 mois.
Voilà, j'ai pris mon gainer et tout, ça se passe bien, je prends du poids, je prends du muscle et je m'entraîne bien. C'est quand que je peux faire une sèche? Alors ça, les mecs, c'est en fonction de vous. C'est en fonction de toi, d'accord? C'est toi qui vas déterminer est-ce que je fais une sèche ou pas. Tu te regardes devant le miroir, tu te dis est-ce que j'aime mon physique? Si je l'aime pas, il me manque quoi? D'accord? Clairement, tu te dis ça. C'est que toi qui te juges. Tu te juges envers toi-même, tu te dis il me manque quoi concrètement? Ok? Tout en restant lucide que il y a des choses que tu peux avoir naturellement et des choses que tu peux pas avoir naturellement. Et tout en ayant en tête que quand tu vas faire une sèche, pardon, eh ben, tu vas maigrir, tu vas perdre un peu en masse musculaire. C'est-à-dire que moi, demain, je fais une sèche, j'aurai des bras un tout petit peu plus fins, mais ce sera beaucoup plus tracé, beaucoup plus saillant. Donc, est-ce que je serai prêt à perdre un peu de bras pour avoir des bras beaucoup plus tracés? Est-ce que je serai prêt à perdre un peu de pec pour avoir des pecs un peu plus tracés? Est-ce que je serai prêt à perdre un peu de volume de dos pour avoir un dos plus tracé? Est-ce que je serai prêt à flotter un peu dans mes pulls? Ça, c'est en fonction de toi. C'est en fonction de toi. Naturellement, les sèches font très très mal. Et quand les sèches ou les régimes sont mal faits, eh ben, tu peux revenir à un niveau proche de débutant, malheureusement. Si tu fais pas les choses bien, malheureusement, ou si tu t'arrêtes de t'entraîner, tout simplement. Mais cela, encore une fois, va dépendre de la morphologie que tu as. Certaines personnes ont des bonnes morphologies, ont des facilités à perdre. Certaines personnes ont des métabolismes rapides. Moi, avant, j'avais un métabolisme très rapide. Mais plus je prends l'âge, plus j'ai l'impression qu'il commence un peu à être stable, à être normal. D'accord? C'est-à-dire que pour perdre du poids, c'est un peu plus dur. Ok? Je sais que je peux perdre du poids si je m'y mets, mais je sens que c'est un peu plus dur. Et pour prendre du poids, là, on y va. Là, c'est facile. Donc voilà, si je peux faire un récap sur ce qu'on s'est dit, oui. Fais une prise de masse. Si tu hésites entre faire une prise de masse ou une sèche, réfléchis à ce que tu veux. Si tu veux être plus balèze, fais une prise de masse. Ta sèche, tu vas la faire après. Tu vas la faire dans 3-4 mois. Sachant que là, on est en septembre. Donc ce sujet de vidéo tombe à pic. Plus personne part en vacances. Là, c'est la rentrée. Là, on va travailler. On va à l'école. On va bosser. On va charbonner. Donc, prise de masse pour tout le monde. D'accord? À part si tu pars à Ibiza dans 2-3 mois ou en décembre. Mais là, logiquement, tout le monde va bosser, tout le monde va à l'école, donc tout le monde en prise de masse. C'est simple. Donc voilà pour cette petite vidéo que je tenais à faire parce que voilà, je reçois beaucoup de messages à ce sujet-là. À chaque fois, je réponds la même chose. Et je pense que beaucoup de personnes aussi doivent se poser la question. Donc si ça peut aider, j'ai fait cette vidéo pour ça. Sur ce, moi, je vais te laisser ici. Si tu aimais cette petite vidéo, mets un petit j'aime, mets un commentaire, ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Tu peux rejoindre le Discord, le loin est le loin. Le lien, pardon, est dans la description. Ok? On est plein de soldats, on se donne des conseils, on s'entraide. On rigole aussi parce que Ness se moquait de moi. Ils m'ont comparé à un mec bizarre. Mais ça, c'est dans le Discord. D'accord? Il faut voir ça dans le Discord. C'est important. Et aussi, pour toutes tes commandes MyProtein, tu as le code DAMS qui te donne 40%. Ok? Donc si tu veux te faire plaisir aussi, soutenir la chaîne, je t'invite à passer par mon lien, tout simplement. Bon, moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. I need to know everything, who in the what in the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you'll be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk.